Donc, nous toujours dans la rubrique personnage pour journée. Hein, et nous avons parlé de Emeline Michel. Emeline Michel fait un pile album tout. Okay? Donc, nous ne pouvons pas citer tout parce que c'est un patrimoine. J'aime te dire dans l'introduction de la rubrique, mais nous avons quelques là-dedans qui sont importants, qui marquent la carrière. Li. En 1987, Emeline Michel a un album qui sorti qui s'est Douvan Jou Kalevé. Album ça, il était marqué carrière li, parce que nous t'ai dit le talia c'est en 86, il vraiment lancé. Donc 87 c'était censé album phare carrière là. Ou quand il artiste commencé carrière, il pas sorti album, il sorti des musiques, ça ou les singles là. Donc li sorti album Douvan Jou Kalevé en 1987 qui gagne un titre là-dedans que moi fait un zoom sur li, c'est parce que gagne un gros tonton artiste qui les collaborer avec qui c'est Tova au bas. Donc, qui c'est un titre qui c'est Plaisir dans la misère. Le plaisir dans la misère, plaisir dans la misère. Moi, toujours traduit en créole, mais nous connaissons Emeline Michel, ligue un peu le titre en français. Parfois, il y a titre en français, il connaît chanter en créole dans la musique là. C'est un bagage qui est un pile artiste haïtien fait. Donc, même si émission en créole, n'attendait titre français tout la donne parce que titre souvent en français. Donc, Le plaisir dans la misère, c'est un titre que Emeline Michel fait en collaboration avec Tova au bas. Qui c'est un gros tonton tout qui n'a pas de chance présenter parce qu'elle est un grand en musique là, que ce soit anciennement, que ce soit maintenant, parce que il a toujours à chanter. De même pour Emeline Michel d'ailleurs, qui toujours à chanter. Ok? Mais il a marqué, donc nous prenons dans le passé pour nous parler de lui. Donc, plaisir dans la misère, capable de coûter sur toutes les plateformes. Si vous voulez le taper dans YouTube, dans toutes les plateformes, ou capable de coûter, sinon, il faut coûter un petit extrait tout. Avant la rubrique la finale, il faut écouter un petit extrait, mais c'est un titre avec Bitova au bas en 1987 sur l'album Douvan Jou Kalevé. Ou gagnons l'autre album en 1989 tout, qui c'est Flamme. T'as le an nous t'écouter un petit extrait dans Flamme. Donc, Flamme, c'est une musique qui marquait et c'est titre album dans tout. En 1989, Emeline Michel collaborait avec Bitova au bas encore une fois. Et il sortit l'album Flamme, non? Et il y a une petite collaboration li avec Bitova au bas qui s'est Plaisir Misère. Donc, non capable dit que Bitova au bas collaborait en pile avec Emeline Michel. C'est génération, yo, ok? Parce qu'à l'époque, Bitova au bas était en flèche tout, dans le domaine musical. Il a chanté. Et style yo tout collé ensemble. Sous côté style Emeline Michel, sous côté style Bitova au bas, ou après gen similitude là-dedans yo. Et ou joine musique Plaisir Misère là, nan Douvan Jou Kalevé, ou vin rejoindre ni encore, c'est un bagage Emeline Michel fait en pile. C'est un bagage Emeline Michel fait en pile. Emeline Michel, quand fin fait album nan là, et puis quelques années plus tard, il retourne sous lit, ok? Il fait remix, et ça note carré les remix, je dis. Emeline Michel fait ça en pile. Retourner sous des titres, etc. Donc, il n'est pas étonnant du tout. En 1990, Emeline Michel sortit album qui est titré Pas gen menti nan sa, qui c'est un titre musique tout. Tout artiste qui a écouté l'émission là, tout le monde qui est habitué, il connaît très bien que un artiste qui a sorti un titre en single, titre là, il tout album nan. Il tout chauffé album nan avec titre là. Et puis, tout le monde connaît c'est écrit dans tête moun yo même si l'album a 20 musiques sous lui ou carré c'est titre album nan qui tout musique phare là son façon pour les vendre produits c'est un marketing li et tout donc titre album nan Pas gen menti nan sa qui sorti en 1990 c'est un album qui est important dans carrière li parce que l'album ça marqué génération 90 là en pile non qu'a dit premier album nan 1987 non pas qu'a dit il pas fait succès non mais les Emeline Michel sorti album Pas gen menti nan sa li te gen tan pran poids dans milieu moun te gen tan kontandel petite musique qui te gen tan passé sous toute émission musicale radio même si te gen émission télé et tout mais en pile moun te écouter radio en pile parce que dans l'époque ça nous connaît que accès dans télévision il pas dans tout foyer non qu'a dit jodi à tout mais c'est pas pareil ok non l'autre génération côté smartphone etc existait mais il pas pareil dans l'époque ça donc petite Emeline Michel qu'on a poulé dans toute radio donc album 1990 ça nous qu'a dit lycéon nous pas qu'a dit consécration nous qu'a dit confirmation nous qu'a plus dit une confirmation consécration il va venir plus tard. Donc album Pas gen menti nan sa il gagne un titre Pas gen menti nan sa qui te fait un clip en noir et blanc pour moun qui, dans l'époque, sont capables de songer, titre l'an te sorti en noir et blanc, l'été marqué en pile, dans confirmation carrière Emeline Michel.
Il y a un autre titre sur l'album, pas vraiment, dans ça, qui était marquant, qui c'est Akaikao. Akaikao, dans le même album, ça, c'était un tube. À l'époque, on dit tube, je dis, on dit hit. En plus, l'haïtien était fredonné à Akaikao. Si nous écoutons un coup très brièvement, on a écouté le pour vous. Akaikao, son musique, nous connaissons grand pile que nous pas qu'à jouer toutes dans l'émission. Pour qui ça? Parce que l'émission sur chaîne YouTube, est sur toute plateforme. Et nous connaissons que nous respecter droit d'auteur. Ok? Nous avons un petit titre, nous avons un petit coup d'extrait. En tant qu'on radio, il y a des musiques nous avons joué net tout. Mais il y a des musiques qui prennent un bon coup d'extrait. Akaikao, c'est une musique farlée dans la carrière de Michel Tou. En 1993, il sort un album qui est Rome et Flamme. Rome et Flamme, en français titré. Et dans l'album, il y a une ode pour Haïti. Une ode, c'est un hommage. C'est un bagage qui met Haïti à l'honneur. Il y a une ode pour Haïti qui c'est L'odeur de ma terre. Qui c'est un titre qui dit amour. Emile Michel, lui-même, il y a pour Haïti. Et à travers titre ça, Emile Michel dit à quel point il remet Haïti. Il a parlé de l'odeur du café. Emile Michel avec Yol de Rose qui prend vraiment ta mère parce que Yol de Rose pas venir tant qu'on mentor tant qu'on membre famille Emile Michel si nous capable dire comme ça parce que il pral kimbil il pral encourager il pral supporter il pral faire avancer pas à pas dans un paquet de projets dans le domaine musical là parce que à l'époque Yol de Rose était qui a un rôle qui était clé dans ça fait qu'il dit parce qu'il t'a repêché talent. Ok, il t'a pris chez talent, passer de Rex Théâtre, passer dans Port-au-Prince, passer dans Capitole, passer dans un pile côté qui vraiment important. Yol de Rose lui-même, il était qu'à détecter talent et il était sensible à ça en pile dans l'époque ça. Parce que nous connaissons dans l'époque ça, Yol de Rose était en flèche dans la carrière. Il était avec Andy De Rose, yo te fait commencer à briller dans l'Amérique latine nan, et c'est dans retour yo que yo croisé Emile Michel. Donc si nous écoutons musique Emile Michel qui titre Gade Papi, n'a capable vraiment entendre l'histoire parce que lui parlait d'époque ça, OK côté il était connu souvent à côté Yol De Rose, à le visiter, vraiment en proximité avec lui vraiment en hommage dans Gade Papi, petite musique ça de époque ça. Et lui pral chanter en pile dans musique haïtienne à partir de rencontre li avec Yol De Rose li pral fait en pile collaboration tout dans période ça d'ailleurs avec un pile l'autre grand dans musique là li pral chanter avec un pile star à l'époque li même li pote ko star mais li pral chanter avec un pan gros tonton star dans musique haïtienne là tant que Lionel Benjamin tant que Bito Baobab etc. Nous pral observer yon ti pause musique n'a tourné tout à l'heure pour nous voir encore plus bagay encore plus détails sur carrière grande dame ça qui c'est Emeline Michel n'a venir tout à l'heure musique ça qui nous sort côté a qui sont titre de Emeline Michel moi j'espère que nous apprécier donc maintenant nous va parler de Emeline Michel sous d'autres thèmes non seulement nous va parler de musically de l'album ni dans troisième partie rubrique là mais là nous parlons parler de quelques aspects qui important de projet dans carrière li en 2010 donc on était contre tremblement de terre qui était frappé Haïti côté était grand pile victime donc dans même année ça donc nous connaissons c'était 12 janvier ça t'est fait et en pile célébrité t'est mobilisé pour aider Haïti et Emeline Michel c'était youn là dans yo. Emile Michel te pote kole avec un pile l'autre célébrité, côté que t'as aidé moun qui victime, moun qui démuni. Dans projet ça, t'es gagné un téléthon qui t'est fait, qui t'est relé Hope for Haiti, Espoir pour Haïti. C'était une initiative chanteur haïtien que nous tous connaissons, Wyclef Jean, qui t'est fait avec acteur américain très célèbre que nous tous capables connaissons, sinon, garder cinéma en pile, c'est George Clooney. Donc, Wyclef t'est metté avec George Clooney pour t'est fait. Une action que me trouvais qui belle qui c'est un album qui était pour vendre en téléchargement
seulement. Et c'était première fois ça t'est fait que un album vend en téléchargement seulement pour aider dans une catastrophe naturelle. Et projet ça a été bien marché puisque yo t'ai fait un album, yo t'ai créé pour occasion, qui t'est vendu à 171 000 copies en téléchargement seulement, qui t'est vraiment placé en tête de vente téléchargement pendant des semaines. Projet ça te permet d'aider nécessite yo en Haïti qui t'est très touché, qui t'est démuni de tout côté tout l'autre pays t'a poté collé pour yo aider. Eh bien Emily Michel t'est poté collé dans projet ça qui t'est relé Hope for Haiti, qui veut dire en français espoir pour Haïti. Espoir pour Haïti, c'est même mal à la créole, tout c'est juste écrit qui a changé. Donc projet ça était vraiment marqué. Maintenant, en 2013, Emile Michel participait dans un projet l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, pardon, côté que l'étape militait pour égalité homme avec femme, pour égalité avec pour rendre femme autonomie, parce que nous connaissons un combat l'ONU toujours a fait, et c'est un combat en pile l'autre organisme, association doit femme toujours fait, côté qu'il y a poté collé pour être capable aider moun yo prendre conscience et pour être capable faire femme yo prendre vraie place dans la société, a, pour être capable créer une égalité, pour être capable faire disparaître inégalité yo dans plusieurs domaines. Et Emeline Michel participer dans le projet l'ONU. Il fait un titre pour ça qui c'est One Woman, qui veut dire en français une seule femme, en créole une seule femme. Et titre ça, t'est diffusé et l'été pour sensibiliser autour du projet l'ONU pour égalité non mac femme. Emily Michel fait un pile projet avec un pile l'autre artiste, dans un pile l'autre pays, dans un pile l'autre continent. Emily Michel pas yon artiste haïtienne locale, c'est une artiste haïtienne internationale. Ok, l'aime dit une artiste haïtienne internationale, c'est-à-dire que au gain de certains artistes qui national, c'est pas péjoratif, c'est pas négatif, non. C'est que artiste là, lui jouer sous scène dans pays localement, lui peut-être à jouer dans quelques pays, dans des festivals qui organisés par communauté pays, mais lui pas prend une exposition à grande échelle auprès de l'autre public, l'autre nation. Et l'op vin international là, c'est l'op prend exposition ça. Et Emily Michel fait partie de une rare artiste haïtienne, artiste femme, qui prend niveau international ça, et il te prend très vite parce que musique li a te dépassé les frontières très rapidement. Donc, il travaille avec artistes africains en pile. Et Michel collaborer avec un pile artistes africains. Li genye, si nous capables citer, nous pas citer toutes, bien évidemment, mais nous capables citer yon artiste malienne qui c'est Rokia Traoré, qui très très connu dans le monde musical africain. Nous gen Angélique Kidjo, qui c'est un artiste bénin, béninoise, yon béninoise qui connu en pile tout dans le monde musical africain. Et Emile Michel pas collaborer pas simplement avec artistes haïtiens, les collaborer avec l'autre artiste tout, artiste indien, espagnol, Israël, Malaisie, Brésil, pour nous citer que ça, simplement. Donc maintenant, nous capables plus qu'on est musique li fait en collaboration avec haïtiens yo, parce que c'est yo qui nous tendait plus en tant que haïtien, parce que nous gagnons proximité avec musique la caille, nous ça est tout à fait logique. Donc nous pral prenons une autre pause pour nous écouter un autre extrait musique Emeline Michel, et nous pral tourner après pour nous capable parler des discographies. Et c'est dans discographie que nous pral plus de détails sur collaboration que l'il fait avec artistes haïtiens, avec quelques artistes haïtiens yo, et nous pral plus de détails tout sur titre phare de carrière Emeline Michel, qui gagne pile titre phare, mais nous pral bao quelques là-dedans yo n'a tourné après pause musicale journée hein. Nous pral fini sur un autre album que Michel l'était fait, qui était bien accueilli tout par public là, qui c'est Cordes et âmes. Ok, Cordes et âmes, en parlant de l'âme de quelqu'un, Cordes et âmes, donc c'est un titre en français tout, ou capable de dire en créole Cordes et âmes. Donc qui était bien accueilli tout par public. Nous va boire titre sous lui, nous va boire tout titre parce que Michel Jamdoula, c'est un bagage musical à lui-même tout seul. Donc ou capable d'écouter sur toute plateforme yo, mais c'était un album qui était sorti en 2000, qui était bien accueilli par public là.
qui te gagnent yon les anciens qui te viennent toucher avec une modernité. C'est comme ça toute critique publique yo te prend album ça, il était bien accueilli. Après, nous capables finir par 2012 pour nous finir avec discographie, nous capables finir en 2012 parce qu'en 2012 Émile Michel sur son album qui était relé Quintessence. Alors, album Quintessence, il était un titre là-dedans qui était fort, qui c'est Merci la vie que nous capables conclut rubrique là avec titre ça, Merci la vie. Et n'a écouté aussi un petit extrait d'Emeline Michel en concert pour tout. Café important parce que Emeline Michel, elle est en concert, c'est un bagage à vivre. Donc, capable d'écouter un petit extrait concert pour nous. En conclusion, là, nous allons finir rubrique là, ok? Donc, Emeline Michel, sorti album qui était sens là en 2012. Qui ça qui est essentiel? Moi, papa le fait, on va dire, une explication, dictionnaire, etc. Mais juste, bah, nous, un mot qui peut permettre nous peut-être aller après, faire recherche, pas nous, côté pas nous, c'est raffinement. Et c'est un mot, moi, capable de dire, qui décrit femme, qui c'est Emeline Michel, femme haïtienne, ça, gros tonton artiste, ça. Pour qui ça? Parce que, raffinement, c'est un bagaille. Dans toute clip, musique, Emeline Michel, sous pas de content d'Emeline Michel avant, ça qui t'a étonné, sous son haïtien, ou elle regarde clip sur toute plateforme, capable de voir, une beauté artistique, il y a un raffinement dans ça, Emeline Michel proposé. Qui pas rien à ouais, avec ou capable dit de certains artistes qui peut-être n'ont un point de vue qui capable dit au moderne ou actuel qui capable peut-être utiliser une forme de présentation scénique qui complètement opposé ces choix pa yo nous pas gain pour nous critiquer choix moun mais nous gain pour nous faire des parallèles. Emeline Michel, mot raffinement son mot qui décrit Emeline Michel parce que c'est une femme raffinée. OK, c'est une femme raffinée et dans musique li gen raffinement. Dans façon de composer con raffinement. Donc, nous capables de parler de Emeline Michel tout, dans un point de vue cinématographique, pas film à proprement parler, mais documentaire, parce que Emeline Michel, elle jouait dans deux documentaires qui étaient marqués carrière en 1993, Divine Haïti, un documentaire que Véronica Dessout est sorti, et en 2010, elle était jouée dans un documentaire qui est les Moi Noir Féminin Pluriel, qui c'est un documentaire de Laurent Champenois et Michel Renette. Donc, c'est deux saillots que nous joignons, que Emile Michel lui-même l'était fait en termes de documentaire. Donc, Kounia, pour nous conclure, rubrique là, nous sommes capables de dire que Emile Michel, c'est une carrière complète. Emile Michel, vous présentez un patrimoine pour musique haïtienne. Il passe la France, il passe dans le festival jazz, il joue un succès. Il fait couverture des festivals à Nice, Nice c'est en France, il fait des tubes dans toute carrière li. Et voilà, il a un moule pour musique. Écriture li qui est unique, l'aime dit notaire à que raffinement son mot qui a décrit là, li unique dans la façon de présenter sous scène, dans la présence scénique, li unique dans l'écriture, li texte li pas semblé à l'autre artiste, li yon originalité la donne. L'autant dans musique Emile Michel, ou connaît son coup de plume Emile Michel. Et li, c'est un héritage dans la musique haïtienne nan, que li était important pour nous mettre à l'honneur, n'a pas pour nous mettre en pile l'autre musicien à l'honneur qui sont héritage pour patrimoine musique haïtienne. Nan. Et moi, pensais que tout ça me dit là, yo, justifier tout l'amour public haïtien avec l'autre public international yo, pour Tenanke yo, pour Emeline Michel. C'est sous mot ça yo, que moi, capable de conclure pour rubrique personnage pour journée 1. Mais quittez-nous, écoutez un extrait les Emeline Michel dans concert. Et puis, nous pourrons entrer avec rubrique tradition avec Désir Jimmy tout de suite après. Je vais nous parler. Si vous connaissez, j'en gagne la peine, l'homme va coucher sur un grand vin. En ville président à vie, vivre ici sous souffle, sous séo. Laissez-moi mauvais sentiment, faites manger, mec, pas nous manger. Sacré vers Mounio Lampa, reconnaître l'espagnol. Santo Domingo Bingo, ou a dit ou lève l'angle mielo. À côté on nous tout dans l'eau, yo tourné, si jouet yo yo. Haïti tout m'a perdu, ou doit dire des choix, des mauvais bouts. Mais en pile j'ai la pile, ou m'senti comme l'ou senti plus jaloux. Fais l'éternel au bon berger, protège la vie, pour du haut du ciel, l'envoyage, voilà. Faut de retendre une solution.
sauver la situation. Et pitié, mon bon berger, mon vieux lampé.